Bonsoir. Donc, on va voir deux fonctions, recherche V et puis sinon DISP, qui vont nous permettre de faire matcher les communes avec les codes postaux. Donc, déjà au niveau de la recherche V, là, c'est pas le détail utile, c'est que la recherche V va se déplacer vers la droite, parce qu'on va dire une colonne relative par rapport de gauche à droite, c'est-à-dire, hein, parce que si j'avais inversé, par exemple, si ça s'était présenté comme ici, CP à gauche et ville à droite, donc on ne pourrait pas faire une recherche. Faut que ça soit dans ce sens-là. Donc on va procéder par étapes. Donc auparavant, la colonne I, il y a les communes qui sont ici. Donc ça fait une trentaine de communes qui sont par ordre alphabétique. Donc le but final, c'est de mettre ce tableau. Par ordre alphabétique, alors la particularité, c'est qu'il est en trois colonnes. Donc, on va le fabriquer ici dans les colonnes IJ, puis après, on va écraser les valeurs dans le tableau pour le présenter avec les codes postaux en face de chaque commune par ordre alphabétique, c'est-à-dire que ça commence de A ici, ça continue ici et ça continue ici. Voilà. Donc, là, on va se servir tout de suite de recherche V pour sortir les codes postaux qui sont dans la première zone, c'est-à-dire les secteurs des données de la colonne AB, des colonnes AB. Donc, on va faire la recherche V ici. Recherche V. Donc, je cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis on voit une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc, il est trié par ordre croissant. La valeur qu'on va chercher, donc ça sera en budget, séparateur. Donc après, la table de recherche, la table matrice, ça sera, on commence par les données AB. Hein. Donc on va mettre une référence absolue d'un KFF4, donc, puisque la page de recherche doit être fixe. On est obligé de mettre les références absolues. Donc après, c'est le numéro d'index colonne, ça sera 2 pour le code postal. Et puis la correspondance, là il y a l'option vrai ou faux, correspondance approximative, on double-clique faux pour mettre exact. Donc on ferme la parenthèse, voilà. Donc là, je duplique, donc j'aurai pas toutes les valeurs, bien sûr, les autres seront en valeur, en erreur ENA. Erreur ENA, puisqu'il n'y a pas la donnée en face. Hein. Donc maintenant, tout de suite, donc on va exploiter on va les mettre en valeur brute. Donc là, parce qu'une cellule calculée, on a des problèmes après si on recalcule dessus. Donc on va la copier. Je la colle ici et je la colle en option valeur brute deuxième, qui est complètement différente. Donc maintenant, puisque c'est extrait, on les replace. On va écraser les données calculées dont on n'a plus besoin dans la colonne J. Donc on coupe simplement. On vient ici, on colle une seule option de collage. Voilà. Ça, je l'ai donné en valeur brute. Si je clique dessus, là, j'ai le code postal. Là, ici, j'ai Diazena. Donc, on continue ici en colonne suivante. Donc, là, on continue de faire une recherche V pour avoir la zone CD cette fois-ci. Donc, égale recherche V. Donc, toujours sur donc, recherche V. Voilà. Donc, on met la première donnée en mairie objet. Donc, la plage cette fois-ci qui sera correspondant aux données des colonnes C et D, avec référence absolue, toujours F4 ici, F4 ici, donc séparateur première ligne, index colonne 2, la correspondance exacte, je ferme la parenthèse, voilà. Donc là, je tire, et donc là, j'aurai les valeurs correspondantes aux communes, j'aurai les codes postaux de la zone CD. Donc, idem, donc c'est cellule calculée, on va faire pareil, on va copier, on met ici, collage spécial, valeur brute, j'enlève le presse-papier, j'ai toujours la sélection, cette fois-ci je coupe, j'écrase les cellules calculées pour avoir les valeurs brutes d'une seule option. Donc, ici, à ce niveau-là maintenant, on va faire un mix, c'est-à-dire qu'on va faire un mix des deux colonnes J et K, parce que bon, là j'ai des valeurs ici, dans la colonne K j'ai des valeurs ici qu'il n'y a pas dans la colonne J, et réciproquement. Donc là, c'est la fonction sinon-disp et sinon-disp qui va nous optimiser ça, qui va nous extraire toutes les valeurs. On tape si, le sinon-disp il est là. Donc là,
La description renvoie la valeur que vous avez spécifiée si le résultat de l'expression est dièse et nain, sinon renvoie le résultat de l'expression. Donc on va faire plus ça. Donc on va mettre la première valeur tout de suite à gauche, séparateur. Et puis en cas de 6 valeurs énormes, ben, ça sera la valeur de la colonne phi. Donc on aura tout exploité. On ferme la parenthèse, entrée. Bon là, il me sort 0 à 500. Puisque l'autre c'est là, donc là je vais le cliquer, j'aurai le mix, j'aurai la synthèse des deux, des colonnes J et K en nombre max des codes postaux. Donc là, cette fois-ci, comme c'est une donnée calculée, une colonne calculée, bah, pareil, je copie, je la colle ici en valeur brute, j'enlève le presse-papier, la sélection, cette fois-ci, je la coupe et j'écrase. J'écrase. Oui, je vois la valeur brute ici. Ok, d'accord. Donc, même j'aurais pu faire mieux que ça. Là, je pouvais carrément mettre en première colonne puisqu'il restera la zone EF. Là, je coupe carrément et je place ici. Tout de suite, là, ça suffit. Et puis l'autre ne sert plus à rien, celle-là, je peux la supprimer. Donc là, par contre, ici, ben, il me reste la zone en recherche pour avoir la dernière zone des colonnes S. Donc là, je mets recherche la valeur toujours comme donnée, la première, séparateur, la table de matrice. Donc cette fois-ci, c'est les données ici. Bon, ça s'arrête ici, là. On a une ligne de moins. On met les références absolues avec la touche F4 du cahier. Ville, Alex, colonne 2, ville, la correspondance exacte. On ferme la parenthèse entrée. Là, on aura les codes postaux de la zone des colonnes EF. J'ai un 0 sur le 9. Voilà. En cas, on toujours vérifier quand même un petit peu. Là, c'est bizarre parce que j'ai un 0. Donc là, je devrais en fait dire, là, c'est 0 à 440. Là, je devrais avoir ça comme valeur. Enrichir 0 à. Donc là, attention, si on veut une valeur texte, il faut mettre un apostrophe 0. Voilà. Donc, bon, maintenant, les valeurs calculées aux alas, on va les écraser. Bon, à la place, on va mettre les valeurs brutes. Donc, on sélectionne la plage calculée qu'on vient de fabriquer, là. On la copie à côté en valeur brute, deuxième option. On enlève le presse-papier, couper, on met à la place ici. Coller, une seule option. En fait, maintenant, on va faire la deuxième fonction, cette fois-ci, ici, sinon, ici, sinon, ici. Comme tout à l'heure, on prend la première valeur ici, et puis la valeur s'il est là, ben, ça serait celle d'à côté, on ferme la parenthèse, et là, logiquement, on devrait avoir tous les codes postaux. Donc là, la mission devrait être terminée à ce niveau-là, voilà. Donc attention, on a toujours des valeurs calculées, donc toujours pareil, on va copier, on colle à côté pour avoir les valeurs brutes, c'est toujours aussi bien, parce que bon, c'est juste les valeurs brutes qu'il nous faut, hein, au final. Donc là, on peut couper puis mettre à côté des communes ici directement et puis les autres ne serviront plus à rien. Donc là, et puis là, donc maintenant, on peut prendre des colonnes, les autres colonnes à côté, les supprimer. Et là, on a tous nos codes postaux. Donc après, il suffira juste de. Donc, de toute façon, il y a un décalage parce qu'elle a une ligne en tête ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un tableau de 10 lignes de ville. Donc on va écraser 2, 4, 6, 10. Voilà. Donc on peut couper. Et on écrase ici. Une option de collage. Voilà. Donc après, on va continuer toujours 10 lignes. Donc par la suite, 2, 10. Couper. On place sur 10 zones. Voilà. Et voilà, et puis ben, le reste, là, je peux faire un contrôle sur ce qui reste du petit tableau.
pareil, je le coupe, et puis je le mets à la place de celui-ci, donc son coulage, et voilà. Donc, bah, il peut juste me rester à bordurer, et mon tableau est fini, donc si je fais le bordurer, bon, ça c'est la présentation, on enlève toutes les bordures à les remettre, alors aucune bordure, on reprend et on met toute bordure, et voilà. Bonne soirée à vous.